je m'appelle Elodie. J'ai gagné le meilleur pâtissier de la saison 9. Aujourd'hui, on est sur le Syrah et on est sur le stand de Promo Cash. En collaboration avec eux, je vais réaliser un dessert. Je vais réaliser un dessert à base d'huître et je vais faire un caramel au jus d'huître avec un tartare d'huître sur le dessus, un crumble de madeleine bien torréfié pour avoir un peu de l'amertume, un gel citron avec du citron caviar et des petites feuilles d'aneth pour apporter de la fraîcheur. Alors là, je vais commencer à préparer ma madeleine. Donc là, je vais faire fondre tout doucement mon beurre. Mmh. Après, je vais rajouter ma pâte de sésame dedans. Et à côté de ça, dans le robot, je vais faire monter mes œufs avec mon sucre. Donc là, je suis en train de faire mousser mes jaunes avec mon sucre pour faire comme un genre de sabayon et rajouter ma farine. Et après, je vais mettre mon beurre froid avec la pâte de sésame pour en faire ma madeleine. Donc là, ça monte tout doucement. Je vais faire chauffer ma crème pour faire mon caramel et je vais y mettre un peu de jus d'huître. Et après, tout doucement, je vais rajouter mon beurre. Tu en es à quelle étape de préparation? Donc là, j'ai fini ma madeleine. Je vais la mettre au four pour à peu près 12 minutes. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à mon caramel. Je surveille parce que le caramel, ça brûle extrêmement vite. Il est bientôt bon, je vais prendre ma crème. On va déglacer. La cuisson du biscuit pour toi est bonne, tu le sors du four. Alors là, je vais le sortir du four. On voit qu'il est très moelleux. Hein. Tu vas rajouter du beurre et du sucre. Et du sucre. Là, j'ai fini mon crumble que j'ai bien mélangé. Donc là, on va le mettre au four. C'est bon, tu es en train de le préparer, ce tartare d'huître. Oui, donc là, je les sors de leur jus. Et je vais les couper finement pour en faire un tartare. Donc tu prépares ton citron caviar que tu vas associer avec ton gel citron. Et maintenant tu vas passer donc au dressage. C'est ça. Donc dans chaque coquille, je verse un peu de caramel, un peu d'huître. Là maintenant, on va pouvoir mettre du crumble. Bah, j'ai l'impression que les gens ont apprécié ce que j'ai fait, que c'était bidon, ça avait l'air très bon, ça surprenait et puis ils étaient contents, ils avaient le sourire, donc je suis contente.